super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. Et coucou les loulous. Coucou. Est-ce que ça va aujourd'hui? Oui. Les petits copains? On espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une construction. Mais pas n'importe quelle construction. La construction de quoi? D'un méga vaisseau Star Wars. Un méga vaisseau Star Wars. Waouh, il est énorme. C'est une boîte de Lego énorme, on ne voit plus. Ouais. Coucou. 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 Alors, aujourd'hui, oui, on va faire l'ouverture et le montage, la construction du super Millennium. Millennium quoi? Falcon. De quel film? Star Wars. De Star Wars. Et Quentin d'ailleurs, pour l'occasion, regardez, waouh, il a mis son super t-shirt Millennium Falcon. Alors cette boîte, tu l'as eue quand, mon chéri? À mon anniversaire. Et oui, si vous avez vu la vidéo de l'anniversaire de Quentin, vous pouvez cliquer en haut sur le petit à droite, à droite, voilà. Là, choquez-moi. Je sais plus. Alors, en haut à droite, donc vous pouvez cliquer sur le petit et vous pouvez voir la vidéo de l'anniversaire de Quentin. Alors, qui t'a offert ce super vaisseau? Tonton. Et oui, c'est Tonton. C'est Tonton, donc alias Virus TV, qui lui a offert ce super vaisseau que Quentin rêve depuis longtemps, hein, je crois. Hein. Voilà, donc c'est vraiment un super cadeau. Donc, cette vidéo, elle est un peu dédicacée à Tonton, qui attend de voir à quoi ressemble ce super vaisseau de Star Wars. Alors, tout d'abord, on va présenter la boîte. Oui. Alors déjà, on va pas présenter ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, on va présenter vraiment la boîte pour le moment. Donc alors pour commencer, alors nous avons donc là des petits personnages. Donc il y en a 6, 7 avec BB-8. Alors Kanji, alors là je connais pas trop les noms, hein. Désolé les petits copains. Han Solo, tu le connais quand même. Kenji Lab Gang Member. Ensuite, Tasulish, Han Solo, oui, bien sûr, que je connais Han Solo, Chewbacca, Finn, Rey et BB-8. Ensuite, alors, c'est un vaisseau qui s'adresse aux 9-14 ans. C'est pour ça que je figure sur la vidéo, parce que je vais aider mon petit Quentin à monter ça, parce que je vais porter secours quand ce sera un peu compliqué pour lui. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut regarder derrière, voilà, derrière la boîte. Vous pouvez voir qu'il y a... J'ai mis la boîte dans le nez. On peut voir qu'il y a, là, à l'intérieur, c'est un vaisseau qui est entièrement ouvrable, on va dire, transformable. Il y a plein de pièces à l'intérieur qui sont représentées sur ces fiches-là. Ensuite, il y a des projectiles, ça tire dans tous les sens. Donc là, c'est marqué des armes, etc. Donc voilà. Alors bon, c'est bien beau de regarder la boîte, mais est-ce que tu veux le monter, ce vaisseau super Millennium Falcon? Oui. Ouais, tu crois? Oui. On va l'ouvrir? Oui. Ouais, allez, je vais te laisser l'ouvrir. Par contre, je vais te laisser l'ouvrir tout seul, ça, t'es assez grand, hein? Oui. Oui? Bon, je m'en vais. Alors, t'es prêt, chérie? Oui. Waouh. Alors, on va mettre tous les sachets de côté. Alors, il y a combien de sachets là-dedans? Un, deux. Trois. La notice. Quatre. Ça fait deux pages, la notice, c'est ça? Non, je crois pas. Cinq. Six. Sept. 8. Bientôt tu rentres dans la boîte. 9. Ah, what? 10. 11. Mais ça s'arrête jamais ou il y en a encore ou il n'y en a plus? Non. Ah oui. 12. Non. Oh mon dieu. Mon dieu, mais tonton. 13. Mon dieu, mais tonton. Mais qu'est-ce que tu as fait? 13. 13, c'est bon? La boîte est vide? La boîte est vide, donc on va la mettre de côté. Non mais what? Alors voilà, bon je crois qu'il va falloir s'organiser, donc on va mettre... Il y a combien de numéros? Déjà on va mettre peut-être le numéro 1, on va commencer par trouver les 1. 1. Je pense... D'accord. Ensuite, la notice, fais voir la notice un peu, comme elle est.
Fais voir, je vais l'ouvrir. Elle est grosse, par contre. Elle est épaisse. Ouais, ouais, alors c'est sûr que la notice, ça fait pas 3 pages. Voilà la notice avec les autocollants. Donc je vais l'ouvrir. Et toi, tu vas trier les batteries, les petits sachets. Pendant que j'ouvre la notice. 6. Voilà, on a 8, les autocollants. 3. C'est carrément un catalogue, les amis. Je livre, c'est un catalogue. C'est assez impressionnant ce qu'il y a. Alors, il y a combien de pages de... sur l'outil? Ça va dire, on va rigoler. Glenda, accroche-toi bien. Accroche-toi bien. Ouais. Notice de montage, je mens pas. 156 pages. 156 pages. Il y a 103 pièces. Je mens pas. Il y a 103 étapes pour monter ce Millennium Falcon. Alors on va ouvrir tous les sachets, enfin peut-être pas tous les sachets, on va se référer à la notice et puis on va commencer à monter tout ça. Et on va monter tout ça, bah, je pense en accéléré, hein, parce que ça va prendre un peu de temps, je pense. Hein. Ouais. Ouais. 7 avec 7, voilà. Ça c'est le numéro, ça c'est ça. Alors ça y est mon loulou, on l'a fini enfin, ouais, parce qu'il a été super rapide à monter. Non, long. Ah oui, pardon, il a été super long à monter les amis. Alors c'est confirmé, c'était du 8-14 ans, c'est ça sur la boîte? Non, ah non, 9, je vois. Je la vois encore. 9-14. 9-14 ans, voilà. Donc c'est 9-14 ans. Et c'est confirmé parce qu'on a passé... à peu près, parce que c'est presque Corentin qui a tout monté. Moi, je l'ai un peu indiqué sur la notice, je lui ai un peu passé les pièces et tout ça, mais c'est essentiellement lui qui l'a monté. Et t'as quel âge, Corentin ? 7 ans. 7 ans, tu l'as fait, tu l'as monté. Il nous a fallu à peu près 6 heures pour monter ce magnifique vaisseau. Mais par contre, on n'a pas fait tout ça d'un trait, hein. Bien sûr, on s'y est pris sur 3 jours, on a fait 2 heures, 2 heures, ben là, c'est simple, 2 heures un jour, 2 heures un deuxième et 2 heures ben, aujourd'hui, parce qu'on l'a fini aujourd'hui, voilà. Parce que sinon c'est un peu long pour Quentin, même pour moi c'était un peu long de le monter. Donc il faut que ça reste un plaisir, donc on va profiter qu'on est en vacances pour monter ce super vaisseau.
que tonton a offert à Corentin. D'ailleurs, tu veux dire quoi, tonton? Merci. Merci beaucoup, tonton, parce qu'il est vraiment magnifique. Alors, on va le faire découvrir, ce super vaisseau magnifique. Oui. Au petit copain. Il y a Han Solo dans la petite capsule. Alors, il y a Han Solo dans la petite capsule. Alors, attention, je vais le prendre. Déjà, on a monté toutes les figurines qui sont ici. Voilà. Et même bébé 8, qui monte sur la tête de Chewbacca. Trop bien. Alors, nous, on va pas s'attarder. Alors, il devrait mieux faire ça et bam. Vaisseau. Alors, voici. Dans sa cabine, Han Solo. Trop beau. Alors, il est plein de détails, ce super vaisseau. Je vais faire un tour à 360 degrés. Oui. Regardez comme il est magnifique. Il y a même des pieds dessus. J'appuie sur les boutons. Bon, normalement, ça, c'est clair dans le film. Voilà, donc, quand il fait, je crois, la vitesse supersonique ou je sais plus trop. Oui. Voilà. Non, même à la vitesse normale, il le fait. Alors, dessous, il y a même... Parce que dès qu'il vole, la main, c'est pour tirer sur les ennemis. Voilà. Il y en a même un haut. Il y en a même un au-dessus. Mais on peut le toucher à peine, là. Donc, un au-dessus, voilà. Et aussi, par exemple. Voilà. Donc, c'est bourré de détails. J'envoie une arme. Et comment on fait pour l'ouvrir, ce super vaisseau? Alors là, c'est en fonction la passerelle. Voilà. Donc là, je vous montre l'intérieur. Rien à faire. On voit très, très bien. Le cockpit. Rien à faire là-dedans, c'est l'intérieur. Donc à l'entrée, il y a de la France. Et puis qu'est-ce qu'il fait aussi? Il tire ce vaisseau. Attends, j'essaie de retirer des armes de là-dedans. Oh, il avait caché toutes les armes à l'intérieur. Il y a plein de cachettes, on va vous montrer ça. Qu'est-ce que tu montres, comment il tire ce super vaisseau? En fait, vous appuyez sur le bouton de devant. Alors, vas-y, tournez vers moi. Non, non, parce que là, on verra pas. Voilà. Alors, attention. Tout. Oh. Touché, il m'a touché. Ah là 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 là. Alors voilà, donc il tire super bien, c'est confirmé, c'est un vaisseau qui se défend. C'est pas un vaisseau d'attaque parce que c'est du côté des gentils. Hein. Donc voilà, donc on montre à l'intérieur un peu, on va montrer à l'intérieur, je vais prendre un autre plan de vue pour montrer vraiment l'intérieur de ce vaisseau qui s'ouvre complètement. Et puis il y a Océane qui montre ses petits papiers devant vous, allez le voir. Donc alors tu nous fais visiter un peu les lieux. Alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce vaisseau? C'est le tien, tu vas nous montrer. Je vais faire la cuisine. Non. Alors voici là, comme je vous disais, le cockpit avec les ordinateurs. Arrête. Là, là c'est les contrôles, je pense. Ici, on a une petite cachette. Là, bien sûr, Han Solo qui est dans son cockpit. Par contre, je trouve juste dommage qu'il faille enlever ça. Qu'on puisse pas l'ouvrir pour sortir Han Solo qui est à l'intérieur. Oui, mais voilà. À mon avis, on peut en mettre deux à côté. Ouais, je sais pas. Si tu veux, tu essaieras. Attendez, je vais vous faire tourner le super vaisseau. Ah, Chewbacca est parti. On a un petit trait de neige en arrière-plan, tiens. Il y a même une petite clé ici, une petite clé amoulette, trop belle. Pour réparer les tuyauteries. Lélie, il y a une petite table ici. Pour manger. Et Chewbacca qui dort. Voilà, donc Chewbacca dort. Et ensuite, il y a une autre trappe aussi. Ensuite, donc, la salle de tuyauterie, je ne sais pas. Oui, c'est des tuyauteries, c'est pour que après ça chauffe et que ça donne le contrôle au vaisseau pour qu'il puisse voler. Avec un petit four, ou je ne sais pas, à l'intérieur, voilà. Ensuite, nous avons quoi ici? Non. Alors, cette pièce-là, je ne sais pas ce que c'est. Bon, dites-nous dans les commentaires. Ça, c'est une poubelle. Mais dites-nous si c'est... Ben, je pense que c'est là où on entrepose plein de choses. Et puis là, de nouveau, nous avons une petite trappe. Oui, mais cette fois, c'est pour s'échapper du vaisseau. Voilà. Celle-là, en fait, elle s'ouvre. Voilà. Et ça amène à l'extérieur du vaisseau. On va vous montrer tout ça un peu plus en détail par vue du dessous. Alors voilà, le super vaisseau vu de dessous. Alors on a... ce superbe canon qui tourne, qui bouge dans tous les sens. C'est pour... Et puis, 4 pieds pour le tenir. Alors, je trouve dommage, par contre, qu'il n'ait pas mis de support. Ouais. Un support, ouais. Un support qui serait une planète tout pleine de sable, ça irait bien avec un support pour... Même un support pour pouvoir le poser sur une étagère ou quoi, qui fasse un peu l'effet de voler, en fait. Ah ouais. Ouais, ça aurait pu être sympa, c'est dommage.
Alors les petits copains, on espère que ce Millennium Falcon vous a plu en Lego. Et toi Corentin, est-ce qu'il te plaît? Oui. Merci tonton. Oh là là, c'est trop chou, merci tonton. Je crois que tu vas être parti pour des heures de jeu avec ça. En fait par exemple, s'il y a un méchant ici, après il peut être mort parce qu'après ça lui tire dessus si il est à l'intérieur. Ah bah ouais. Mais aussi ça risque de casser le vaisseau. Alors les petits copains, bah, dites-nous dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous aimez les Lego, si vous avez déjà eu l'occasion de voir ce vaisseau, si même pourquoi pas vous l'avez. Alors Corentin a vraiment énormément de chance de l'avoir. C'est vrai que qu'il le voulait depuis plus d'un an déjà. Et son tonton a réalisé son rêve, voilà. Donc tu as vraiment de la chance Corentin, je pense que tu t'en rends compte. Hein, que tu as de la chance. Oui, hein. beaucoup. Oui, oui. Donc voilà, donc les petits amis, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Un petit pouce vers le haut aussi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo, si vous avez d'autres idées pour de prochaines vidéos. Et puis si c'est pas déjà fait les amis, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre dans les commentaires aussi quel a été le moment préféré dans la vidéo. Donc moi, voilà. Je sais lequel c'est. Moi en fait le moment préféré c'est quand on a monté les ailes. C'était super facile et c'était super bien parce qu'à chaque fois on refaisait les mêmes et les mêmes. Ah oui, ouais, c'est bon, on avait l'impression qu'à la fin on n'en finissait plus parce qu'on a fait les parties là qui s'ouvrent en fait. D'en haut, tu montres au petit copain. Voilà, celle-là, à chaque fois c'était des étapes qui se répétaient donc on a l'impression qu'on ne finirait jamais. Parce qu'il y en a beaucoup quand même des abattants comme ça. Voilà, donc ouais. Bon, moi, mon moment préféré, ça a été vraiment la dernière pièce qu'on ait posée dessus. Laquelle? La dernière pièce qu'on ait posée dessus. C'était celle-là. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà. La fermeture du cockpit. Voilà. Alors les petits amis, n'hésitez pas à vous abonner et puis je le répète, hein, et puis n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche à côté de abonner, donc pour recevoir toutes les notifications, pour être au courant de toutes nos vidéos. À chaque fois qu'on en sort une, vous recevez une petite alerte, voilà. Bon, c'est tout pour les amis, on vous souhaite encore de bonnes vacances si vous êtes en vacances, sinon... bonnes vacances en avance ou bon week-end, bonne semaine, bonsoir, bonne nuit, bon appétit, ça dépend à quelle heure vous avez regardé la vidéo. Nous vous faisons des gros bisous et on vous dit à la prochaine. Ciao les amis, bisous. Bisous.